You know, for a lot of people of my, for lack of a better word, generation, the movies of the 70s, the cinema of the 70s, is the cinema of Hollywood. But what people don't talk about that often is the fact that the cinema of the 70s really started in 1967 with the release of Bonnie and Clyde. Nous sommes le 13 août 1967. Bonnie and Clyde sort dans les salles américaines et connaît des débuts difficiles. Produit pour 2,5 millions de dollars, le film d'Arthur Penn ne parvient à rembourser son budget qu'à la fin de cette même année. Mais l'impensable se produit. Quelques mois après avoir lourdement critiqué le long métrage, le magazine Time fait volte-face et en fait sa couverture, le qualifiant même de film de l'année. Mieux encore, Bonnie and Clyde est un succès au Royaume-Uni, au moment même où son exploitation prend fin aux États-Unis. Sentant le vent tourner, son producteur et acteur Warren Beatty convainc Warner Bros. De ressortir le film sur le sol américain en 1968. Celui-ci devient alors l'un des plus gros succès de l'année, se voit récompensé de 2 Oscars, mais surtout, contribue à métamorphoser un cinéma hollywoodien à l'agonie. Car au-delà de sa fulgurante réussite, Bonnie and Clyde débarque dans un contexte pour le moins particulier, dont il est à la fois le produit indissociable et le miroir salutaire. Ce village fantôme, c'est la 20th Century Fox, en septembre 1962. Pas âme qui vive, pas la moindre voiture, pas de pièce ouverte à une exception près. La salle de montage dans laquelle va naître Cléopâtre, le film de Joseph Mankiewicz. Débordé par une production chaotique et une accumulation de dépenses qui manquera de la pousser à la faillite, la Fox joue son avenir sur cette production d'une ampleur inédite, censée faire revenir les spectateurs dans les salles de cinéma. À la Seconde Guerre mondiale succède en effet une croissance économique qui permet aux Américains de multiplier les loisirs, fragilisant la place jusque-là occupée par le 7e art. L'un d'eux va même bouleverser le statu quo. Présente dans 40 000 foyers en 1946, la télévision s'invite chez 45 millions d'Américains en 1960, qui l'allument en moyenne près de 5 heures par jour. Cette concurrence, alliée entre autres au développement des drive-in, impactera lourdement l'industrie du cinéma. Les salles se vident progressivement, parallèlement à la baisse du nombre de films distribués par les studios. Cléopâtre n'y changera rien. Si la production rentre dans ses frais grâce au marché étranger, elle reste un échec aux États-Unis. Rétrospectivement, ces images d'une partie des studios de la Fox, délaissés puis détruits suite à cette débâcle financière, se font l'allégorie parfaite de grosses productions en décalage avec leur époque. Les années 60 sont ainsi la décennie où la génération du baby-boom plébiscite les salles. Problème, les gros studios sont encore dirigés par les pontes désormais septuagénaires qui ont assuré leur succès par le passé. De Cléopâtre en 1963 à El Lodoli ou la bataille d'Angleterre en 1969, la jeunesse fuit ces productions anachroniques qui ne leur évoquent plus rien. Car définitivement, les temps ont changé. Les 60s sont le théâtre de bouleversements sociaux et politiques majeurs qui influencent fortement l'opinion publique américaine. Entre marches pacifistes, émeutes raciales, lutte pour les droits civiques, révolte des minorités, assassinats politiques ou bien sûr la guerre du Vietnam, la jeunesse américaine se politise et opère une prise de conscience qui se cristallisera notamment dans le mouvement hippie et le Summer of Love de 1967. Il y a alors cette croyance dans la capacité à changer l'Amérique à travers un rejet des valeurs traditionnelles, à vivre plus librement en dehors de la société de consommation. Une utopie communautaire et pacifiste qui trouve son écho dans divers événements culturels, mais que le cinéma peine encore à concrétiser. Bonnie and Clyde en sera l'un des premiers prolongements, véritable prise de conscience de la dichotomie flagrante entre l'imaginaire aseptisé du cinéma hollywoodien classique et la violence débridée et omniprésente des images contemporaines. La scène d'ouverture du film dit déjà tout des intentions d'Arthur Penn. On y découvre Bonnie Parker, incarnée par Faye Dunaway, se maquiller et errer nue dans sa chambre, mutique. Mais ce que ne dit pas le personnage, la mise en scène l'exprime clairement. C'est en effet une série de surcadrages qui va nous indiquer l'état d'esprit de Bonnie. Les surcadrages, ce sont ces cadres, dans le cadre, qui enferment la jeune femme et soulignent ses envies d'ailleurs, son incapacité à s'échapper de son quotidien. La cage à oiseaux, ou les barreaux de son lit,
sont autant d'éléments symboliques qui accentuent cet état, qui plus est porté par un érotisme explicite, tel un reflet de la libération sexuelle de la fin des années 60. Et oui, Bonnie and Clyde a beau se dérouler dans les années 30 lors de la Grande Dépression, le long métrage parle explicitement de la décennie qu'il a vu naître. Ici, la maison familiale de Bonnie apparaît comme étouffante, agit comme l'incarnation d'une institution immuable, qui ne répond plus aux aspirations d'une jeune femme ayant littéralement envie de sortir du cadre. Comme un symbole, c'est un jeune voleur fraîchement sorti de prison qui l'emmènera sur les routes de l'Amérique rurale des laissés pour compte. D'un point de vue narratif, Bonnie and Clyde épouse une structure commune à bien des films de gangsters. Gone Crazy, sorti 17 ans plus tôt, reprenait déjà à son compte l'histoire du célèbre duo et de façon similaire à la version d'Arthur Penn. De la même manière que Bonnie and Clyde rejette tout un mode de vie, Penn profite de la lente mort du code de censure Haze pour dynamiter la représentation du sexe et de la violence à l'écran, par des images clairement suggestives, ou par sa mise en scène frontale et inédite. La mort n'est plus évoquée symboliquement ou par le hors-champ. Elle envahit le cadre, à l'instar de ses personnages anti-système, forçant l'empathie du spectateur. C'est un authentique renversement des valeurs, tant morales que cinématographiques, que Penn et ses scénaristes Robert Benton et David Newman opèrent ici. Les antagonistes ne pouvaient donc être que les garants des valeurs morales d'antan. Ainsi, les responsables de la mort du duo seront un défenseur de la justice, à savoir un ranger avide de vengeance personnelle, de même qu'un représentant de la sainte figure parentale. Un père incapable de supporter le tatouage de son fils, sur lequel s'illustre par ailleurs l'amour, littéralement, des fleurs et des colombes, soit la symbolique de la contre-culture de l'époque. Pour Arthur Penn, la violence en elle-même n'a pas de sens. Si le carnage final de Bonnie and Clyde constitue un choc, c'est d'abord par sa dimension cathartique. Dans cette scène, il y a l'assassinat de Kennedy, il y a toute cette époque, l'assassinat et la nature de l'assassinat, ce qu'il produit. Ces images, ce sont aussi la Seconde Guerre mondiale et les horreurs dont il fut le témoin. De son propre aveu, cette agonie, ses corps tordus, cette violence graphique lui viennent de là. Et puis il y a cette mort d'une histoire d'amour subversive que le cinéaste souhaitait dépeindre. Derrière les actes répréhensibles, il y a cette aspiration à retrouver une vie normale, cette peur de la mort. I'm an undertaker. Get them out of here. Et ses élans mélancoliques. Bref, ce paradoxe d'une contre-culture salvatrice dont Penn semble pourtant annoncer l'inévitable échec. You best keep running, Clyde Barrow. And you know it. En 1969, Easy Rider sort en salle et fait entrer le cinéma américain dans l'ère du nouvel Hollywood. Ce sont ces jeunes réalisateurs influencés par la nouvelle vague française, le néo-réalisme italien ou le cinéma d'Akira Kurosawa, qui s'emparent des rênes d'Hollywood et révolutionnent la façon de faire des films. Bonnie and Clyde, comme le lauréat de Mike Nichols sorti quelques mois plus tard, en aura été le précurseur le plus évident. Annonciateur d'une vague de longs métrages consacrés à des marginaux et traduisant une méfiance à l'égard des institutions politiques et sociales de l'époque. Pour Peter Bogdanovich, ce n'est pas parce qu'on fait un film dans les années 70 qu'on fait un film des années 70. D'une certaine manière, et comme le suggère Quentin Tarantino, le long métrage d'Arthur Penn marche donc sur plusieurs décennies. Il est un film des années 70 réalisé dans les années 60, qui parle des années 60 en se situant dans les années 30, et dont l'influence résonne toujours aujourd'hui. Et à votre avis, comment le système réagit-il face à une œuvre visionnaire qui lui en met plein la figure ? We went out to, Jack's house. We were about to look at the film. He said, if I have to get up and pee, you know it stinks. Well, we weren't 10 minutes into the film when he got up and peed, came back. Another 10 minutes, he got up and peed. And it went like that throughout. And then finally the film ended. And he said, what the hell is this?